Les amis, écoutez bien cet enfant qui est en train de s'égarer. Écoutez très bien. Au Cameroun, tu vois la misère, la souffrance. Tu as le paludisme qui tue encore les gens. On ne peut pas encourager lorsqu'on voit un jeune qui se lance dans le chemin là. La jeunesse est le fer de lance de la nation. Je pense que le gouvernement doit prendre cette chanson. Pour moi, devrait être censuré. La jeunesse est le fer de lance de la nation. Prends le fer là, tu repasses ton habit avec ou tu repasses ton front, ça ancre un peu. Avec la tête comme petit fenêtre. Mon petit. Je sais qu'actuellement, tu te crois trop high. Tu te crois trop fort. Avec un esprit de fer. Mon petit, fais gaffe. Parce que tu as déjà traversé la zone rouge depuis. Depuis quelques jours, je ne fais que regarder tes contenus. Mon petit, tu es en train d'indemner très mal. Quand je vais parler, comme tu te dis que tu es le champion. Du champion des clashs. Il y a de cela quelques années, je ne sais pas, c'est quelques mois, il y avait un autre plus high que toi. Toi, tu ne fais même rien. Hein? Tu crois que tu es trop fort là. Tu ne fais rien. Il y avait un autre plus fort. Il insultait tout le monde. Même les membres du gouvernement, même le président de la République. Quand on parlait à ce petit, il disait qu'il avait une bague magique, qu'on ne peut rien lui faire, qu'il est trop fort. Un jour, il attaquait les Bamouns. Je t'invite d'abord à écouter un peu quelques extraits de ce petit. Et je te prends après, petit. Ouais, venez. Moustique le charismatique, tu es un exemple pour les bandits. Le du porno, tes fesses ne sont pas encore finies. Le nombre de fois que tu écartes tes pieds par jour. Ça fait 2 semaines que le réseau Orange est dans ses flippages. Monsieur Patrick Benon, le directeur général de Orange Cameroun, c'est comme si tu fumes sur le banc avant d'installer ton réseau. Paul Biya et son gouvernement. Vos noyaux. Monsieur le ministre de la Défense, tes noyaux, vous n'allez jamais m'arrêter. Ma base est sur le miracle. Je disparais quand je veux. J'apparais quand je veux. Mais je tiens vraiment à m'excuser pour toutes mes vidéos pervers que j'ai eu à faire depuis le début. Je tiens vraiment à m'excuser. Il a la bague magique, il disparaît, personne ne peut l'arrêter. Mais Camerounais, je tiens à m'excuser pour mes vidéos pervers. Je tiens à m'excuser auprès du gouvernement. Ça, c'est quand on l'attrape. Il était déjà en route pour Konengi. Il était devenu petit comme ça. Mais qui faisait vidéo, il clashait tout le monde. Un peu comme ce que tu fais, mon petit. On t'appelle quoi? Le mauvais bébé. Et vous avez toujours les noms bizarres. On l'appelait l'autre, virgule le criminel. Virgule le criminel. Toi, c'est le mauvais bébé. Vous avez des cancans noms. Toi, tu viens maintenant. Tout le monde, tu insultes. Tout le monde, tu clashes. Celui-là faisait comme toi. Il insultait tout le monde. Il insultait même le président de la République. On le laissait toujours petit. Un jour, il insultait dans les Bamouns. Les Bamouns ont dit que petit, tu as traversé la zone qu'il ne fallait pas. Depuis qu'il est sorti de la prison, qui a encore entendu parler du petit? Il fait ses petits trucs sur Facebook. Personne n'est même plus au courant de lui. Il est mort. Mon petit, tu as fait une vidéo dernièrement. Qui a fait boum, qui t'a rendu, je dirais, star. Quand je dis star, c'est que tu es connu. Tout le monde a partagé la vidéo. Tu as eu la visibilité. Si j'avais un conseil à te donner, petit, c'était de te concentrer avec cette visibilité que tu as eue là. De te concentrer sur ta musique. Puisque tu es rappeur, concentre, laisse les clashs d'être bêtes. Parce que je ne veux pas dire. Comme pas les clashs, ça, mon petit. Nous, on clash, hein? Nous, on clash depuis plus de 4 ans. Sur Facebook. Mais on connaît, mon petit, on connaît la limite. Hmm? On connaît la limite. Nous, on clash, mais on n'a jamais eu même une convocation. Parce qu'on connaît ceux que, gars, il ne faut pas clasher. On connaît ceux qu'il ne faut pas attaquer. Nous, on connaît notre petit niveau. C'est pour cette raison que, en termes de clash, là, il faut faire très attention. Et il faut contrôler même ce qui sort de la bouche. Parce qu'on clash, mais on ne dit pas n'importe quoi. Petit, tu es en train de nous très mal. Et je vois les gens t'encourager. Les gens sont derrière toi. Et c'est la même chose qu'on faisait avec le criminel. Qui faisait ce truc. Les gens étaient oh, le petit est courageux. Il faut les courageux. On sort Cameroun pour le changement. Oh, le petit, fonce, fonce. Dès qu'on a attrapé le petit, il était une place. Il a commencé à faire les vidéos. Il pleurait. Je me demande pardon. Je suis désolé. Les mêmes gars qui l'encourageaient ont commencé à se moquer de lui. Demain, quand ça va cuire sur toi, petit, les mêmes gens qui t'encouragent sur Facebook de faire des conneries que tu es en train de faire, les mêmes gens vont se moquer de toi. Tu dis que tu n'as pas peur de la prison. Hein. Tu n'as pas peur d'un gaz.
que tu t'en fous. Même si on veut, on t'enferme et tout. J'espère que quand... Parce que quand la grenouille n'est pas encore tombée dans l'eau chaude, elle saute partout, non? Ce qui fait un polon. Elle fait un polon dans l'eau chaude. Donc, il y avait deux sortes d'eau. Tu peux bavarder comme tu bavardes. Tu peux clasher tout le monde. Tu peux insulter tout le monde. Mais quand ça va cuire, mon petit. Quand ça va cuire, mon petit. Tu vas aller le seul. Tu ne vas pas dire demain que qu'on ne t'avait pas conseillé. J'avais même discuté avec Virgule le criminel quand je suis en train de parler. Là, il m'avait écrit, il dit que change vite ta ligne éditoriale, petit. Ça va cuire sur toi bientôt. Il a fait une autre vidéo pour me clasher. J'ai cherché la vidéo, je n'ai pas trouvé. Je vais te faire écouter ça. Je sais que tu vas aussi faire une autre vidéo pour m'insulter. Si tu fais ou tu ne fais pas, de toutes les façons, mon message est passé. Si tu veux, tu comprends. Si tu veux, tu ne comprends pas. Fais gaffe, mon petit. Le mauvais bébé, fais gaffe. Voilà ça que je t'avais dit. Écoutez un peu le rythme de ce petit. Hein. Écoutez son insolence, sa façon de parler à ses grands frères. Écoutez. Écoutez très bien. Au Cameroun, tu vois la misère, la souffrance. Tu as le paludisme qui tue encore les gens. On ne peut pas encourager lorsqu'on voit un jeune qui se lance dans le chemin là. La jeunesse est le fer de lance de la nation. Je pense que le gouvernement va prendre cette chanson. Pour moi, devrait être censurée. La jeunesse est le fer de lance de la nation. Prends le fer là, tu repasses ton habit avec. Ou tu repasses ton front, ça ancre un peu. Avec la tête comme petit fenêtre. Ou tu prends le même fer là, tu pars ferrailler, tu bois la Guinness avec. Et les gars de la diaspora, si moi, constatez, vous avez le quand vous arrivez là-bas en Beng, quand vous êtes ici dans votre pays, vous ne parlez pas. Quand vous arrivez en Beng, maintenant vous vous ennuyez, vous prenez votre téléphone comme la réussite, vous commencez à bavarder les histoires. Moi j'ai l'impression qu'il y a certains Camerounais qui croient qu'ils aiment trop le pays que nous-mêmes. Surtout les gens de la diaspora, comme ils sont acquittés, c'est là où maintenant ils ont le cœur de parler des ouais de la politique. Vous êtes les lâches, vous dites ça, vous attendez d'aller en Beng pour pouvoir parler les ouais du pays. Nous on parle les ouais du pays, étant au pays, on n'a pas peur des rafkats. Ce qu'on nous prend, on nous a pris. La jeunesse, c'est le fer de la nation. Vous étiez le bois de la nation quand vous étiez jeune. Tu as intérêt. Chaque ancien de vos moins, ça voit 5 terrain, le terrain coûtait 1000 francs. Dans un shawarma, à l'époque, il n'y avait pas un shawarma. Vous faisiez quoi avec vos 1000 francs pour ne pas acheter le terrain? Jusqu'à vous venez parler de la jeunesse, vos gros culs. Quoi, les gros peureux comme ça, c'est quand ils arrivent maintenant, ben qu'ils développent le cœur parce qu'ils sont là loin du pays, loin des matas. Ils font comme s'ils aiment trop le pays que nous, c'est des gros lâches et des menteurs. Le gouvernement, pour moi, devait censurer. Est-ce que tu es petit pour censurer? Donc, tu as quand même les fesses à quelqu'un dans l'état là-bas, il supprime mon sang. Et je vais pas te mentir, j'allais pas te répondre et j'allais pas écouter ta vidéo jusqu'à la fin parce que tu as fait 7 minutes sur moi. Et j'ai constaté en regardant ta page TikTok que c'est uniquement quand tu parles de moi depuis ces derniers temps que tu te fais les vues. Tu as ta chance que tu es joli ici. Peut-être qu'on me demandait à peine où est la porte, moi le chat. Peut-être c'était toi comme ça dans un riz. Tu es le chat qui m'a apporté. Tu fais ta vidéo, tu dis le petit là, papa Noël m'a apporté le poutoulou ici. Et t'arrêtes de te concasser que ton gars. Que vous gâtez nos enfants, ta maman, c'est moi qui dois éduquer tes enfants. Donc toi tu ouvres tes fesses, on t'enseigne, tu comptes sur les bangamans pour éduquer tes enfants. D'accord, on va les éduquer. Il va apporter la Guinness et le poutoulou à ton enfant. Celui qui a fini de faire sa vidéo comme ça, après go tout. Qu'est-ce que tu apportes la Guinness? Apporte la Guinness. De toutes les façons, bonne nuit. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672 30 37 85 697 39 27 28. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.